s'inscrit dans le cadre d'un projet de coopération maroco-espagnol dans la région de Guefeit, et plus exactement à côté de Oued Tahia. Alors ce gisement, on l'appelle Tahia 3, ça veut dire qu'on avait trouvé le gisement Tahia 1, 2 et 4. Et la particularité de ce gisement, c'est qu'on trouve à la fois des restes de faune, des restes d'animaux qui ont servi de chasse et de matière de subsistance pour l'homme préhistorique. Et on avait de la chance de trouver aussi les outils qui ont servi pour dépecer, pour casser cette faune, ces restes. Donc on a fait une petite étude analytique sur des traces de surface. On a trouvé des traces d'usure de ces traces de boucherie. Alors là, c'est avéré, c'est un gisement très important. Pourquoi ? Parce qu'on trouve des ossements presque complets, comme vous allez le voir sur le site. Et on peut déterminer la faune ou le menu qui a servi pour l'homme préhistorique. Donc ça, Guefeit, on avait déjà découvert plusieurs sites dans la région. C'est avéré une des régions les plus importantes dans le Maroc oriental. C'est un ancien bassin qui a laissé des traces d'activité de l'homme et de la faune qui a servi. Donc on a découvert Dhar el-Romiyan qui n'est pas loin d'ici. On a trouvé le macaque, on a trouvé l'hipparion, on a trouvé des rhinocéros, toute une liste, plus d'une trentaine d'espèces. Donc certains d'entre eux, on les a déjà publiés, ils sont disponibles, et maintenant ça continue. Donc ça fait plus de 15 ans qu'on travaille dans cette région, et on est toujours satisfait des résultats qu'on a déjà obtenus avec cette équipe. Là, l'intérêt aussi de cette campagne, c'est qu'on fait participer des étudiants, donc des étudiants de notre faculté, des étudiants qui viennent aussi d'autres universités, pour contribuer à apprendre et donc prendre la relève par la suite. Le site de Tahia 3, ça fait partie d'un long projet qu'on entame entre l'université de Mohamed Ier d'Oujda et l'IPES, l'Institut de paléoécologie humaine de Tarragona. Depuis 2006, je dois me souvenir toujours qu'on a commencé en 2006 à travailler la région d'Ain Benimatar de Feit. Et depuis 3 ans, on travaille ce site. On a dû s'arrêter évidemment pendant la pandémie, mais maintenant on l'a repris. Le projet est intéressé sur l'évolution de l'occupation humaine de cette région. C'est une ancienne région lacustre depuis le Pliocène et pendant le Pléistocène inférieur. Et à partir du Pléistocène moyen, on a des sites en réseau fluviatil. Alors on est toujours dans des sites en plein air d'occupation humaine, soit occupation humaine, soit des sites paléontologiques. On est intéressé sur ces tranches temporaires entre le Pliocène et le Pléistocène supérieur et Holocène. Et voilà comment un projet de coopération s'est étendu pendant plus de 15 ans. Et on est évidemment très content des résultats de ces projets, avec plein de sites d'occupation humaine, de Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, avec différentes civilisations, l'Acholien, l'Odouaïen, et la présence aussi de sites avec de restes de paléontologiques. Et celui-là, vous allez voir, c'est un site spécial parce que c'est le premier où on a le reste de paléontologie et le reste de l'occupation humaine. Et on peut voir comment les humains ont profité des gibiers de paysage. On est dans le site de Tahia 3. C'est une nouvelle localité qu'on avait trouvée l'année 2019. Et on avait fait un sondage à mètre carré et on avait trouvé des restes des fonds, des antilopes, on avait trouvé des sous-dilithiques. Et le Covid ne nous a pas permis de venir avant, mais cette année, en 2022, on a ouvert en surface et on a élargi en partant des sondages qu'on avait fait d'un mètre carré. On est environ 6, 12, 18 mètres carrés. Et on a réussi à élargir les niveaux archéologiques où il avait apparu les premiers restes découverts. Et le point important de ce site, c'est qu'à l'oriental, pour le moment, dans le cadre de notre projet, c'est le premier site archéologique où on trouve de la faune associée aux sous-dilithiques
et aussi la faune anthropisée. Ça veut dire qu'on a les marques de l'activité humaine qui sont consommées, les animaux qu'on a trouvés. On a trouvé différentes espèces de bovidés. On a cette bovidée à niveau biochronologique qui nous permet de placer temporairement de façon provisoire les sites au Pléistocène supérieur, on va dire environ 200 000 ans, entre 200 000 ans et 50 000 ans. Donc ça, ça correspondra aux périodes chronoculturelles des Middle Stone Age, au Paléolithique moyen, au Maghreb. Et lors de la fouille, un des objectifs, à part de placer tous les restes archéologiques en contexte, on utilise des stations totales pour avoir tous les contextes, pour essayer de reconstruire pas seulement les phases d'occupation humaine. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Si c'est un campement, si c'est un lieu seulement un site de chasse, si c'est un bivouac, il y a différents types de sites. Et on va faire la reconstruction paléoécologique, on est en train de prendre des échantillons à niveau sédimentologique pour faire des analyses des pollens, des phytolithes et toutes les disciplines associées à la reconstruction de la végétation. Les fonds, les animaux et les espèces trouvées, ils vont nous permettre aussi de reconstruire dans quel moment le site a été occupé. Mais aussi, on va prendre des échantillons pour appliquer les différentes méthodes de datation, directes de datation absolue, qui nous permettra de dire exactement en quelle période le site a été occupé. Pour le moment, on aura des données préliminaires car la mission finira d'ici à 10 jours, mais après on reviendra pour continuer avec les études détaillées du matériau, tant la fonte comme la lithique et aussi toutes les analyses des échantillons pour pouvoir placer ces points parce que vraiment c'est très important. Il n'y a pas de site archéologique en plein air, comme c'est le cas de Tahiti à Troyes, fouiller avec des nouvelles méthodologies qui vont nous permettre de faire en photo vraiment de l'occupation humaine pendant le Pléistocène supérieur au Maroc oriental. Je m'appelle Carlos Tornero, je travaille à l'Institut de paléoécologie humaine et évolution sociale à Tarragon, à l'Espagne. En 2019, je suis qui fait la prospection du site de cette area et on trouvait quelques éléments archéologiques mais aussi paléontologiques qui nous dit que ici peut-être c'est vraiment possible de trouver un gros bâtiment. Ici, sur ces niveaux, on peut retracer l'histoire géologique de la région. Donc on a déjà, à partir du secondaire, ces espèces sont caractéristiques du Mésozoïque, Rinconella et Terebratula du Mésozoïque, donc on peut, des brachiopodes du Mésozoïque. Donc on peut, avec cette stratigraphie, retracer l'histoire géologique et on arrive jusqu'à l'occupation humaine. Ces niveaux sont très loin de l'homme, mais en arrivant à la surface, on peut trouver des occupations humaines avec des faunes caractéristiques de l'ère quaternaire, comme on a vu des alcélaphes, des antilopes, associés avec l'industrie lithique qu'on a vue sur le gisement de Tahiya 3. Alors ici, comme vous voyez, nous avons une barre très riche en brachiopodes, bien sûr avec des lamellibranches et des gastéropodes, mais l'espèce qui est très dominante ici, ce sont des brachiopodes de type Rinconella et Terebratula. Normalement, ces brachiopodes sont apparus depuis le carbonifère jusqu'à l'actuel. Mais ces deux espèces ils caractérisent l'ère secondaire, c'est-à-dire le Mésozoïque. Cette concentration, normalement, est due à une asphyxie, peut-être à une crise biologique, mais peut-être à une asphyxie et une morte massive. Donc ça, ce qu'il vient de dire M. Mehmedi Hicham, c'est cette concentration, donc cette barre, on voit bien l'accumulation de ces brachiopodes, de ces types, surtout ce sont des Rinconella qui sont concentrés. Alors c'est une mort naturelle, massive, qui a provoqué ça, une asphyxie ou des conditions climatiques défavorables pour
cette mort naturelle et en grande quantité. On voit que cette espèce-là qui est très abondante, comme on voit sur toute la barre, et il y a une continuité. Et grâce à donc c'est un niveau secondaire mésozoïque, mais grâce à l'oued qui a pu provoquer cette érosion, de mettre à nu cette barre, qui nous a permis de découvrir. Donc vous voyez une forte concentration de ces... Et dans un autre coin, on trouve des niveaux à Terebratula, des mêmes brachiopodes, mais qui ont cette coquille lisse. Donc ça, c'est toujours avec des marnes, donc sont concentrés dans les marnes du secondaire, donc on les trouve forte concentration. Donc c'est un gisement paléontologique à part, qui n'a rien à voir avec le gisement archéologique qu'on est en train de fouiller à quelques mètres d'ici. Donc ça, l'importance de ce site, c'est qu'on a un gisement naturel à côté d'un gisement archéologique. Donc ce qui fait un patrimoine très riche, naturel et archéologique. Donc que c'est fait de la région de Gafeit, un des sites privilégiés pour l'étude de la paléontologie et de l'archéologie dans la région de l'Orient. Ici, nous avons une barre que vous voyez très riche en fossiles et surtout une espèce de brachiopode qui s'appelle Terebratula. Aussi, nous avons quelques espèces de Rhincolena, mais la majorité des espèces ici, ce sont des brachiopodes de type Terebratula avec quelquefois des ammonites. Donc, ça confirme qu'on est dans le secondaire, donc le mésozoïque. Donc comme vous voyez, nous avons une masse très importante, un nombre très important de ces fossiles. Donc sa concentration résulte d'une mort massive de ces espèces. Voilà, il y a toujours le niveau de Terebratula, mais regarde, ça c'est avec des espèces qui sont un peu plus grandes que ce qu'on connaît d'habitude. Donc il y a, regardez la richesse. Tout jonché de restes de ces brachiopodes-là de très grande taille. Regarde ici, voilà, il y en a là, donc une forte richesse de ce genre. Il y en a. On trouve quelques rares genres de Rhinconella, donc il y a une forte concentration de Terebratula et quelques espèces, quelques spécimens de Rhinconella. L'inverse que ce que nous avons vu sur l'autre rive, c'est qu'il y avait une forte concentration, abondance de ce brachiopode rugueux à coquille, donc qui est rugueux, c'est Rhinconella. Ici, c'est l'inverse. Forte concentration de Terebratula par rapport à Rhinconella.